t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de Maï. Ouais, je l'avais repéré. On s'y rejoint. Ok, on a un rancard. Et bien c'est tout, Moussa Rigoji, pour l'épisode 5 de Infamous Second Son. Et on a enfin débloqué les pouvoirs du néon. Et bien entendu, je les ai améliorés. Donc maintenant, qui me permet en fait de sauter. Et j'ai une plus grosse barre d'énergie. Enfin, j'ai une plus grosse barre d'utilisation de pouvoir du néon. Vous pouvez voir en bas à gauche. Donc voilà, donc j'ai malheureusement, j'ai pas dû XP à fond le pouvoir parce que. Parce que c'est un peu limité. C'est un peu limité vu que je n'ai pas débloqué tous les pouvoirs qu'il faut sur ce pouvoir. Mais au moins déjà, je peux tirer, je peux foutre des tatanes comme ça, en mode assez stylé. Et je peux faire ça. Moi, je trouve ça assez stylé. Donc voilà, maintenant après j'espère avoir des bons trucs. Et on va voir ça. Et par contre, vous avez vu dans le dernier épisode, je ne peux plus dropper la fumée. Alors, je vais vous montrer maintenant. Regardez, hop. Quoi? J'ai plus de fumée? Mais ça sert à quoi d'avoir des nouveaux pouvoirs si je dois rendre les précédents? Et allez, hop, on run. C'est un peu loin, non? Parce que là, c'est... Bon, je suis pas Flash Gordon. Bon, après, il y a un pouvoir où je pourrais courir illimité comme ça. Mais là, je veux pas trop. D'ailleurs, en plus, je suis bientôt presque... au niveau... au niveau 4 du héros, ce qui fait que ça va être good ça. Ok, on y arrive. Hop, hop là. Au moins, ce qui est cool, au moins, la différence comparée quand je suis au sol et sur les murs, c'est que sur les murs, je peux courir à l'infini sans m'arrêter. Alors que sur le sol, oui, mais il faudra l'amélioration pour courir plus rapidement. Salut Fetch. Hey Fetch, c'est par ici. Bah, je bouge pas. Les trackers de porteurs, c'est pas pour moi. Ouais. Attends de voir ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. T'inquiète. Ce sera sans moi, Delphine. D'accord. Ok, donc en tout cas, si je lui désombre la tête, ça les détruit. Eh, vous auriez pas vu une fille? N2, R2 sur les cibles bleues pour gagner des points de karma bénéfiques. Ici, cible rouge pour gagner du karma maléfique. Ok. Wow. Je l'ai immobilisé. Mais de rien. Mais c'est good ça. Et hop, ça dégage. Eh, hey, j'ai entendu des tirs. Je t'ai dit que ces trucs allaient te traquer. Non, je crois que c'était juste une patrouille. Je viens d'en trouver un autre. Je t'ai laissé des marques pour le trouver. Tu vois, c'est un marqueur lumineux. Ouais, c'est bon. T'as qu'à les suivre. Oh, merci ma jolie. Oh, bah c'est cool ça. Moi, je peux voler comme la fumée. Et hop. Non, merci, madame. Fetch, je viens de tomber sur quelques-unes de tes œuvres. Tu devrais peut-être calmer le jeu, non? Je dois nourrir la bête, mec. Ou bien tu nourris pas la bête. Elle crève de faim et toi, tu deviens quelqu'un de fréquentable, comme moi. Ou bien tu te la mets bien profond. Ah. Sympa. C'est pas très gentil, ça, Fetch, eh. Mais bon, après, faut la comprendre, elle a tué son frère à cause de ça. Y a de quoi voler les nerfs quand même. Mais c'est stylé, n'empêche qu'elle fait, avec son pouvoir. Y'a quoi après? Ouais, prends ça, saloperie de fumier toxico. C'est tout ce que tu mérites. Hé, hey, fumette, tu veux venir avec moi? Il arrive. Hey, MDR, je tombe autour de lui. Allez, on pète ça. Allez. Youp là. En tout cas, dites-vous, dans pas longtemps, je passe niveau 4 dans Let's Play avec... enfin, ouais, niveau 4 par en gros, en fait. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire que j'ai une question normale comme ça, ouais, pour vous dire si... Mais je prends quand même. Pour vous dire si... Si vraiment... est-ce que sur mon level de Uncharted a baissé ou pas? Alors, je vous dis ça parce que j'ai l'impression en fait que bon, c'est vrai, il y a les cheaters, il y a tout ce que vous voulez sur U4, le multijoueur il est pourri, je suis d'accord. Mais là je suis très sérieux, s'il y a des kikous qui m'insultent ou quoi, je vais laisser passer parce qu'il faut toujours des cons qui t'insultent, qui t'insultent à tout bout de champ alors t'as rien fait pour les énerver.
Je veux juste savoir, est-ce que vous pensez que mon niveau sur Uncharted 4 a baissé? Parce que moi j'ai l'impression vraiment que j'ai baissé, que je suis devenu une grosse merde. Après, c'est peut-être une impression. Bah après, là, vous voyez, j'essaie d'un peu de m'entraîner. Mais j'ai l'impression en fait j'ai perdu mon level. Dites-moi dans les commentaires, okay, les commentaires si j'ai vraiment pu la merde. Si j'ai vraiment pu la merde, si vous me dites, tant mieux, dites-le parce que ça me ferait du plus grand bien quoi. Tu sais, on devrait peut-être pas trop la ramener avec les dealers. Tu me la joues sensible, Delphine ? Eh, on a des pouvoirs et pas eux. Ça veut dire que c'est à nous de faire des efforts. Lâche-leur le grave de temps en temps. On en reparlera. Ouais, ouais, si tu veux. Va donc récupérer de nouveaux pouvoirs. Bon, bah, donc, excusez-moi si j'ai parlé à travers le dialogue, mais voilà quoi. J'aimerais vraiment savoir votre avis. Et voilà quoi. Et déjà que la team est pas très à fond pour retourner sur U4 parce qu'après je peux les comprendre. Les bugs, les conneries comme ça et tout, au bout d'un moment ça peut être chaud à jouer, au bout d'un moment tu n'as plus de plaisir. C'est ça qui est chiant. Nous ce qu'on va faire c'est être en team. Bon, gagner c'est clair, mais après le principal c'est s'amuser, participer quoi. Et ça c'est ça le principal dans tout jeu vidéo. Et enfin quand je dis tout jeu vidéo mais dans tout sport et tout ce que tu veux. Mais voilà quoi, donc c'est ça que je trouve... un peu chiant quoi, mais bon. Après je sais pas si j'étais meilleur après ou pas, enfin voilà quoi. Donc du coup ça a commencé par là la piste. Ok, par là, parce que j'étais un peu perdu. Oh le DUP, lâchez-moi la grappe. Pour une fois je m'en fous de vous. Enfin théoriquement non, je vraiment m'en foutre de vous parce que... pour me donner des points bénéfiques donc... ça m'irait bien quoi. Donc voilà quoi, c'est une petite parenthèse par rapport à Uncharted. Et vous inquiétez pas, les lives pour Overwatch vont bientôt commencer. La prochaine fois que je fais du classé avec la team ou je sais pas, enfin, quand si on monte en 3 ou 4, je vous ferai le live. Parce que là, sans vous, j'ai fait une petite placement. Et je suis hors. Et avec une cote de 2347, je crois. Parce que au début, j'étais à 2444. Parce qu'on avait fait une game auparavant. Et au final on a perdu, mais c'est pas grave, on peut prendre une défaite. Je suis toujours en horse, moi ça me va. Et voilà quoi, ne vous inquiétez pas, j'étais peut-être perdu, mais voilà, ça va me va. Donc du coup la piste elle est où là déjà? Parce que là je suis allé trop vite là. Merde. Heureusement qu'il y a une marqueur qui nous aide là. Ok là voilà. Pas où maintenant? Oulala, j'ai deux pistes avec elle, tu es sûr de perdre, hein. Le missile, je dirais pas ça. À part là. Hop là, on tient un peu. Salut. Et voilà. Allez, vas-y, fais-toi bien secouer. Merci. Allez, c'est parti. Oh, on dirait des roquettes. Ça va être good ça. Toi d'abord. Et comment ça se charge? Boom. Oh, good ça. Saléage. Ok, il est temps de suivre la piste. Par là. Ok. Par où maintenant? Par là. C'est parti. Hop. Hop. Par où? Par là. Oh oh. Fetch, j'ai vu que t'avais laissé la vie sauve à quelques dealers. Je peux pas m'empêcher de croire que j'y suis pour quelque chose. Ouais, tous les beaux gosses pourris d'égo se prennent pour la cause de tout ce qui se passe dans le monde. Non, je me prends pas pour le centre du monde, juste qu'il y a un petit changement d'attitude, c'est tout. C'est tout. Ah, ça c'est cool, ça par contre, des petits dialogues, j'aime bien. C'est bien drôle. Alors, il y en a une marque ici, vu que j'aille où après? C'est bien beau de me dire ouais c'est ici mais après c'est vers où? Non. Non. Bah, c'est où?
Bon, aussi, on est le soir, ce qui fait que j'arrive pas trop bien. Ah là-bas. Merci. Ah, ok, fallait que je rade au-dessus. Hop là. Ok, par où? Par là-bas. Hop. Ok, en face. Ok, hop. Allez, go, on grimpe. Enfin, on court plutôt sur le mur. Pom 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 pom. Oh, mais putain. Oh, stylé. Ah, ça se bastonne là. Attention, j'arrive. Boum. Wouhou, c'était rapide. Il y a un dialogue ou pas? Non, il y a pas. Tuc. Bah putain, le choc que je leur ai fait tout à l'heure. Ah ça y est, c'est l'ulti ça, enfin la flèche du bas. Oh, ça va être stylé ça. Et que ça. Yeah. Mettez ça n'importe où. Oh yeah. Oh, c'est stylé ça. Bim. Ah, ben regardez. Putain, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai entendu d'ici. Tu sais, à chaque fois que t'as eu envie de prénasser à cause de ces trucs... Wow. J'ai réfléchi un peu à ce que tu m'avais dit, sur les dealers de drogue dans la rue. Ah ouais? Je vais te dire un truc. S'occuper de ces salopards de dealers, c'est pas grand-chose. Mais il faudrait remonter un tout petit peu plus haut, trouver le fournisseur. Ça ferait du bruit. Bah, j'aimerais bien t'accompagner la prochaine fois que tu pars en chasse. J'ai envie de faire un peu de bruit. Je me trouve beaucoup trop calme. Ouais, tu seras un rancard mortel. Ah, ça y est. J'ai passé une nouvelle. Alors attention. Et boum. Yeah. C'est good ça. Vous êtes devenu un parangon. Vous avez fait un peu de plus sur la voix des héros. Et je suis de plus en plus blanc. C'est good ça. Ah, une mission à choix. Alors attendez, juste avant, j'ai amélioré vu que j'ai gagné d'autres pouvoirs. Alors ce qui fait la fumée, voilà, la fumée est à 100%, la mêlée est à 100% aussi. Du coup, le néon. Alors déjà, vitesse infinie, je prends direct. C'est quoi ça? Les ennemis piégés dans des bulles de stade. Ah, j'ai le L1, merde, j'ai pas vu. Stade maîtrise par un seul rayon néon. Oh, bon. Abus de stade. Et ça, c'est un nouveau truc. Un rayon. On prend aussi. Ok. Vrai héros. Bon, on prend tout ce qu'il y a sur la main. Hein. Ok. C'est quoi ça? Stat amélioré. Bon, si on prend. Appuie sur la durée des poules de stats. Ok. Ok. Là, j'ai plus assez. Ah d'accord, c'est pour bien tirer sur les jambes. Ok, bon, on est good. Eh ben, on est bien. On est déjà assez OP, je trouve. Oh la vache, tous les missiles que j'ai. Et là, je cours à l'infini. Je suis Flash Gordon. Alors, je veux du néon. Impec. Alors, quelles sont les missions à choix, là? Et hop. Oh, ici. Yeah. La mission abat les intolérants n'est pas possible car vous avez choisi de rétablir Fetch. Abat les. Nanana, et du coup, on retourne là-bas. Juste pour voir ce qu'il y avait écrit. Et on y est. Alors, c'est quoi la mission? Traitement des ordures. Allez, Laser Girl. J'ai du monde à voir. Pouvoir voler. Ok, sois pas fâché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer sans moi. Oh, affronter le danger tout seul? T'es doué en bonne nouvelle. J'ai appris qu'une grosse cargaison de drogue est arrivée il y a 2 jours et tout est stocké dans des maisons flottantes à la marina. Dans des maisons à la marina, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est une grosse cargaison. Il faudra fouiller toutes les maisons flottantes. Et ce groupe utilise un dauphin comme signe de ralliement. Alors tu chercheras tous les dauphins sur les maisons. Encore mieux. Mais m'attends pas.
On sait jamais quand ils décident de décharger ces trucs. Y'a pas de soucis, chérie. Ces trucs de filles. Ah, quel genre de trucs de filles? Défoncer méchamment sa gueule à une sous-merde de dealer pour qu'il balance ses potes, plus les détails sur sa putain de cargaison. Ok. Slow motion. Et pas tes fetch. Yep là. Ah là. T'en fais capter en pu. Hop là. Fetch, je suis sur les quais. Et moi sur le toit. Quoi, tu pouvais pas attendre un peu? Voilà pourquoi je bosse pas avec les mecs. Je connais ton point faible. Bon, il est à terre, bon, c'est pas grave, du temps qu'il a pas compté pour un kill. Enfin, pour une mort. Ah, merci. Wouhou, hop là. Drogue. Ouais, bingo. Eh, hey, Fetch, je vais taguer tous ceux où il y a de la drogue. Comme ça, tu repéreras facilement lesquels exploser. C'est pas vrai, tu veux pas essayer de rien taguer pendant 5 minutes? Oh mais... Mais... Oh mais il me casse les dents, hein. Je dis rien mais je suis concentré un peu quand même. C'est chaud à viser, voilà. Ah ben... Hop. Trop loin pour en être sûr mais je crois avoir repéré 2-3 maisons avec des dauphins. Hop. Hop, le dernier là, bon, vous me laissez tranquille. Du coup, je vais taguer tout ça. Hop là. Eh, hey, je t'ai encore facilité la tâche. Hop, ça dégage. Oh, oh, oh. Yeah. C'est pas étonnant que ça prenne si longtemps, en fait. T'as dit dauphin, mais c'est clairement des marsouins. Hein. Erreur classique. Voilà pourquoi je bosse pas avec les fiers. Oh là là. Allez, tiens, bouffe mon laser. Tiens. Merde. Je l'ai fait un sale coup. Bon, c'est pas grave. Il faut refuser. Bon, c'est pas grave. S'en bat les couilles. C'est pas ça qui va me tuer. Hop là. Youple. Ouais, non. Je t'ai visé la jambe, c'est pas vrai. Mal à trouver des maisons flottantes dans la marina. MDR, t'es drôle toi. Non, j'ai juste de me débarrasser de. Voilà, tu dégages. Oh putain, le sniper, je t'ai pas vu arriver. On va recharger tranquille la vie là. Voilà, hop. Attends, j'ai entendu un truc. Ah. Ah, il y avait une femme. Hop là. Fetch, tu m'avais pas dit qu'il y avait de la meuf à cette soirée. À ce qui paraît, les dealers doivent utiliser les filles comme boucliers humains. Je vois les choses différemment. Bon, toi, tu dégages. Voilà. Normalement, c'est une grosse cargaison. Il y a au moins une autre maison super chargée. Bon, les gars, vous me cassez les couilles. C'est parti. Oh, yeah. Attention, les gars, vous allez prendre tard ou. Yeah. Fetch. Tu couvres tes arrières comme si ton petit. Ouais, merci, j'ai saisi. Ah, ben voilà. Vite fait, bien fait. Yep là. Mesdames, y a-t-il des femmes de petite vertu retenues en otage sur cette maison contre leur gré? Allez, au revoir, madame. Hop là.
Et voilà. Je crois qu'on a énervé un nid de frelons dans l'entrepôt. J'arrive. J'arrive. J'utilise pas trop les roquettes, je devrais le faire, t'es. Pouf. Pouf. Hop là. Ça dégage. Oh merde. Oh d'accord, le gros bug quoi. Entre le bateau quoi. Hop. Hop. Hop là. Hop là. Merde. Attention le mec. Et c'est parti pour le carnage. Et boum. Vous allez prendre tarot. Oh yeah. Par contre j'ai oublié de lancer les grenades, c'est vrai, comme un débile. Bon c'est pas grave. Voilà, la prochaine fois. Aïe. Bon, et voilà, je le fais, château. Ils ne sont plus. Ils vont sortir. Oh cool. Assis, pas bouger. J'adore cette stratégie. Si tu me rejoignais sur le toit pour moi, je vais flamber toutes les maisons pleines de drogue. Tu sais, on a eu du bol que t'arrives à libérer toutes ces femmes avant qu'on explose les maisons. Sans déconner. Hop. Et voilà. T'es prêt? Plein feu sur la baie. Vas-y. Oh la vache. T'es une sacrée visée. Hein. Et voilà. Ça fait trois maisons tueurs de dauphins au moins. Trois maisons de méchants marsouins. N'aie pas honte. Tout le monde se trompe. Si tu le dis. Debout, Delsine. Il y a du mouvement. Suivez le camion. Ils bougent sans doute le stock vers leur planque principale. On devrait les suivre. Oh. Ils vont nous y mener. Oh. On va rester sur les toits pour pas leur faire peur. T'inquiète. Il faudra juste garder un œil sur eux. Ok. Hey Fetch, je peux te poser une question sur le centre de détention du DUP? Curden Key? Ouais, c'est ça. Non. Tu veux savoir quoi? On était au moins 400, peut-être 500. Certains étaient en isolement pour un entraînement spécial, des tests. Moi, j'étais en isolement. Ça a duré 7 ans. 7 ans? Tu sais, Curden Key, c'est l'enfer. Mais c'était chez moi. J'imagine. En fait, je voulais juste savoir si... Merde. J'ai pas fait gaffe, je pensais pas qu'il me verrait de là. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon. Restez sur les toits. C'est... Oh putain, pourquoi j'oublie cette pouce? Pourquoi j'oublie cette règle? C'est la règle que tous les grands voleurs font. Je fais honte à moi, je fais honte à mon ancêtre, là. Si vous avez compris pourquoi. Bon, allez, on va rester sur les toits. Il y a Ribus quoi? Mac Cooper. Oh! Je sais pas, bonjour, c'est un peu prise, hein. Oh, je suis sur le train, je suis sur le train. Oh yeah! Wouah! Oh oh, merde. Hop là. Y a pas de dialogue? Oh, c'est chiant ça. J'ai niqué le dialogue, merde. Hop. Hop là. Il m'en où? Ah, il y a des ennemis là d'en face, on y arrive. Ils viennent de s'arrêter. C'est certainement là. Ok, c'est quoi le plan? Les choper? Les choper, c'est pas un plan. Et boum!
Bon, grenade. Ah d'accord, ça l'a fait voler. Ok, c'est good ça. Tiens, tiens. Bam. T'abandonnes ? T'as raison. Allez hop. Y'a quelqu'un dans le camion. Ah. Bonjour. Voilà madame. Allez, on se bouge. Oui, les méchants sont partis. Partez. Vivez. Faites l'amour. Gratuitement. Si vous voulez décrocher, c'est le moment. Il y aura bientôt plus de dope dans cette ville. Foirez pas votre tour. Et sont partis. Dis, tu crois qu'un jour, on remerciera des crapules bioterroristes pour avoir sauvé des gens? Ouais. Je crois bien que tu m'as sauvé, moi. Oh. Alors du coup, tu vas en finir avec des meurtres obsessionnels de dealers? Dommage, c'est la moitié de ton charme. Ah ouais? C'est quoi l'autre moitié? En fait, c'est tout. C'est juste ça, ton charme. T'inquiète, je vais pas abandonner mes passions, je vais juste en trouver d'autres. Hein? Comme la boxe. C'est moi ou tu jouais la carte de la tendresse, là? Ah. Une psychopathe sentimentale, à vous. Allez, il faut qu'on se débarrasse de toute cette cam dans le port. Les poissons en profiteront au moins. Ouais, ou les dauphins. Hé hey. Je te plais, en fait. Moi, je dis, ça fait des cachotteries. Et voilà. Bon, ça va, il y a eu juste un truc rouge, ça va. Je viens de me lever. T'étais pas là? Ouais, j'avais un rencard avec l'autre femme de ma vie. Augustine. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Un pouvoir béton? Oh, les mecs. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Je crois que ton frère aurait été très fier de ce que tu viens de faire. Tu veux dire tuer des dealers, détruire la drogue et libérer des esclaves sexuels? Bien sûr. Je suis sûr aussi que je lui aurais plu. Ouais. S'il m'avait vu exploser des maisons flottantes avec de la drogue et des dealers, il aurait été très fier. On a bien bossé. Il n'y a pas moyen que ces enfoirés de menteurs de la télé retournent ça contre nous. Il y a un putain de train qui m'a foncé à la gueule. Hop là. Salut ma gueule, comment tu vas? Ouhouhou, bon. Hop là. Oh voilà la drogue. Donc du coup maintenant qu'on peut faire l'émission sans être tranquille, maintenant on va aller faire un tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Droit dans le mur. Et hop. Et hop. Voilà. Je me demande s'il va nous faire droit dans le mur. Je sais pas ce qu'il va faire, mais bon. Ah, oh, pas mal, j'adore. Ah, oh, il est bien ce tag. Attends, il y en a un juste à côté. T'es. Hop là. Allez, on enchaîne. Kakamera. Oh putain. Non, comment ça va être? Un corbeau. Un corbeau Itachi pour ceux qui ont regardé Naruto. Hop là. Hop et hop.
Mais alors c'est bon. Meilleur stylé je pense. Ah, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, pas mal. Ah, pas mal, j'aime bien. Du coup, il nous reste quoi à faire? Oh, l'origami. J'ai hâte de voir ça, ce que c'est ça par contre. Ouais, c'est un origami parce que je sais ce que c'est une mission. Il y a une polyme par rapport à ça. Du coup, on fait ça et ça. Deux journal audio et je pense qu'on s'arrêtera là. Allez, c'est y part. Hop là. Ah, téléphone. Hey Delsin, on m'a dit que le DUP avait doublé la dose dans Lanterne District. Ils doivent espérer y trouver un porteur en planque. Ok, alors c'est là que je vais aller. Il y a un pont pas loin qui t'y mènera tout droit. Génial, on passe en mode conférence. Salut Fetch. Salut Abigail. Tu pourrais lui dire aussi que ce pont a été démoli comme le 520 par le DUP. Hey, sans pouvoir. Ils ont pas encore taillé la pierre du pont que les porteurs peuvent pas traverser, pas vrai? Ça vaut le coup de le tenter, Reg. Bon, on dirait que t'es en sécurité entre des mains expertes et dignes de confiance. T'auras qu'à me rappeler si tu y arrives. Comment tu fais pour le supporter? Il paie les factures. Il paie les factures, il est trop con. Ça veut dire qu'on va changer d'île, je pense. Ça veut dire que la prochaine île est ETC et j'aurai du gros boulot à faire. Ce qui fait que j'aurai tout ça à faire. Bon, je le montrerai partiellement, je pense, tous les tags ici. Genre, je couperai peut-être au montage. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je fais ça, le journal audio, les deux journal audio. On s'arrêtera là. Et l'épisode 6, bah, ce sera cette zone terminée. Allez, c'est parti. Pour commencer, la confrontation. Ici, l'assistance téléphonique du DUP. Avez-vous un incident bioterroriste à signaler? Alors? T'es habillé comment? C'est toi, chérie? Attendez, je connais cette voix. Vous êtes le sale gosse qui appelle tout le temps. Oh! Mais pourquoi il s'obstine à répondre? Oh, j'aurais trop aimé qu'elle y croive, quoi, que c'était son mec. Ça aurait été trop drôle. Oh oh. En hélicoptère. Oh mais... Oh la vache. Oh non, j'ai dû... Oh putain, oh la vache, j'ai pris tarot. Faut que je régène, Ouais, oh la vache. Oh la vachette. Vous savez quoi, moi je vais de pouvoir. Allez, c'est parti. Oh! Ah la balle illico! La fausse de la tête! Hop là, ça dégage! C'est bien! Hop! Hop! Du coup, il y en a deux là-bas! Bonsoir! Ah, il est tombé comme du n'importe quoi lui! Et ben voilà. Encore 8%, mais à mon avis, je pense que ce sont les... Ah non, c'est juste le truc audio. Ok, du coup, on y va. Sans coupure, vous voyez. Pour une fois. Hop, parce que l'épisode 3, je pense, va être blindé de coupure. Bon, je sais pas quand faire le montage à l'heure où je vous parle. L'épisode 2 est en charge. Je sais même pas s'il est en privé sur YouTube. Donc, il arrivera dans très peu de temps. Alors... Le journal audio, il est où? Oh, lâchez-moi. Ouais, vous m'avez gavé. Youhou! Ouais. Attention, ça va péter. Oh yeah, en plein sur les VTTP. Boum! Oh yeah. C'est ça qu'on aime. Alors du coup, pom. Aïe, arrêtez de me tirer dessus. Mais c'est où qui ceux qui me tirent dessus là? Ils sont où?
Bon, tant pis, il est tombé par terre, lui. Hop, ça reste à terre, ça. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage, voilà. Allez, hop. Ok, on y arrive. Est-ce que je prends un néon de là? Oui, je prends un néon. Hop. Merci. Allez, hop, c'est parti. Alors, par où? Par là-bas. Ah, pas par là. Par là-bas. Par là-bas. Ah, pas par là-bas. Ah, il est dans le coin. Il est vers ici. Pas par là. Il est dans le coin. Le voilà. On nous a apporté quelqu'un de ton village aujourd'hui. Il était sévèrement amoché, mais encore lucide. Les Akomiches sont des costauds. Augustine lui a dit qu'il avait été testé positif pour le gène des porteurs. Et qu'elle lui offrait la chance de la rejoindre. Il la regardait dans les yeux, et il s'est juste mis à rire. Elle était furieuse. Je l'avais déjà vu se servir de la tactique. Toi aussi, tu es un porteur auparavant. Et ça marche mieux qu'on ne le penserait. Mais pas sur ton pote. Il a continué à rire jusqu'à ce qu'Augustine leur dise de l'emmener à Curden Cay et de le laisser pourrir dans un trou. Quand ils l'ont traîné hors de la pièce, il a dit « Quand Delsin te trouvera, passe-lui le bonjour de la part des Akomiches. » Eh oui, mon gars, on trahit pas le peuple. Allez, go, chute mortelle. Ça c'est pas prévu. Hop. Ok, je pense que c'est un soldat du DUP. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On devrait me payer pour ça. Oh, j'adore! Oh, trop drôle! Oh, je kiffe! Oh, trop marrant! Trop marrant, trop marrant, trop marrant! Et ce qui fait qu'après, on a un deuxième truc à faire ici. On va écouter un dernier. Allez, non, allez. Bon, je vous fais plaisir. Encore un peu. Allez, c'est parti. On va casser un peu du méchant. Youp. Alors. Hop là. C'est parti. Un incident bioterroriste à signaler? Oh mon dieu! Il y a un bioterroriste! Il est à la fois terrifiant et beau comme un dieu! Ah, je crois bien que je vais lui sauter dessus! Nous arrivons tout de suite, monsieur. Oh, excusez-moi pour ce petit... Est-ce que j'ai tout su? Oui, j'ai tout su, c'est bien ça. Bon voilà, vite et bien fait. Stylé avec les flammes bleues en plus à côté. Allô, opératrice. Ok, du coup, le dernier message audio qui est ici. Et après, bien sûr, je vous montrerai tout ça, là. Voilà, les tags, je vous montrerai les dossiers aussi. Et après, les commentations, ouais. Je vais faire cette zone quand je vous montrerai, par exemple, l'épisode 6. Et ça, je le ferai dans off. Allez, on montre ça. Et c'est terminé pour de bon, cette fois. Mais il y a Dragon ici. Tu as raison, mon gars. Hop là.
Allez, go. Et après, on arrête pour de bon. Parce que je pense que ça fait un bon temps pour le petit épisode 5. Au moins, on aura un épisode long. Allez, là-dedans. Oula, vache, il est bien loin, lui. Ok. Il est par ici. Ah, derrière moi, et le voilà. Ça va peut-être te surprendre, mais le DUP n'a pas toujours été constitué de porteurs de béton. Ils ont fait des tests avec plusieurs pouvoirs. Il leur fallait quelque chose de marquant sur le plan visuel, facile à apprendre et polyvalent. Ça a été plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. L'utilisation des plantes et les pouvoirs organiques mettaient les gens mal à l'aise. Les câbles étaient trop difficiles à contrôler. Le papier ne véhiculait pas une image de force et de sécurité. Étonnamment, le verre s'est révélé être une bonne solution. Mais au final, il était trop dur à manipuler. Après ça, le pouvoir de béton d'Augustine a fini par s'imposer comme un choix évident. Elle est devenue l'emblème du DUP. C'était logique que son pouvoir soit celui transmis à tous les soldats. D'accord. Donc du coup, je vais me rendre sur la zone où j'avais dit tout à l'heure. Je vous filmerai tout ce qui se passe là. Et ici, qu'est-ce qui... Bon, là, j'ai rien à faire. Là, je vais te faire à faire ça. Je vous montrerai ça aussi, qu'est-ce que c'est. Et puis voilà. Bon, monsieur les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas seulement ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et les abonnés, ça fait vraiment plaisir. Le train, vas-y. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à voir mes autres potes filmeurs. Et aussi, je tiens à vous dire aussi que Flo va commencer à faire une film au Second Son aussi de son côté. Mais ça, qu'il le fera en méchant. Je lui ai demandé, il va le faire dans son comté. Bon, on va essayer de le faire un peu en parallèle. Ça veut dire qu'on sera un peu synchro. Mais si on n'arrive pas, c'est pas grave. On fera 100 et puis basta. Comme ça, enfin, je veux au moins qu'on y arrive, au moins que genre qu'on soit tous les deux à la fin et qu'on ait au moins les deux niveaux, enfin les deux karmas à fond, quoi. Donc ce serait bien drôle. Donc là, déjà je suis l'épisode 5 et je suis déjà presque à fond. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai encore dit la même phrase. Et n'hésitez pas aussi, voilà, si j'ai la bien, je vais reprendre. N'hésitez pas à partager aussi, par exemple, vos amis. Et surtout, restez comme vous êtes super, les gars. Et bien, ciao tout le monde.